Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur notre petite tactique Ogre Reborn. Aujourd'hui donc on va reprendre l'aventure, comme vous le savez, on a commencé par Goliath, on s'est ensuite dirigé au château d'Almorica où on a libéré le duc pour ensuite traverser les collines de Tynamouth et enfin le village de Crisaro. On doit maintenant rejoindre la forteresse de Khadriga qui je pense va être la plus compliquée étant donné la zone de combat, mais avant je me disais, alors il faut juste que je trouve comment ça fonctionne. Tac. Parce que en fait ils nous ont pas expliqué, mais vous savez qu'on peut faire des manœuvres. Ah. さて、次の任務だが、フィダック城といえばロスローリアンが駐留する城。なぜそこへ？ガルガスタンとの本格的な戦いを前に。 彼らとバクラムとではない。ガルガスタンとの戦闘中、背後から攻められ。しかし、公爵殿下、まして、ロスローリアンは親の仇。そもそも奴らがバクラムに加担さえしなければ。その気持ちは私もだが、考えてもみたまえ。我々の戦力で勝てると思うかね？もちろん。 超えた豚道前のバクラム人など敵ではない。しかし、だからこそ我々はローディス峡谷に従うことを制約し、彼らの敵。それでは殿下はローディスに屈すると。口が過ぎるぞ、バイス君。もちろんローディスの悪魔に魂を売ったりはしない。暗黒騎士団に沈黙を守らせることでガルガスタン陣営内。そうなれば 我々にも勝ち目はある。いかがかな、聖騎士殿よ。ゼノビアの王はローディスならば我らの国づくりのため、気候の王もまっと気候は関係のない話である。それでは早速レオナールと共にフィダックへ立ってくれ。また Ok. Alors. Ah voilà, en fait, il fallait aller au château. Parce que justement, je me disais, c'est bizarre, il n'y a pas de magasin, il n'y a rien. Alors, allons au magasin voir un petit peu ce qu'on peut acheter. Parce que ça, je vous avais pas montré. Alors, on a de la monnaie ancienne, il peut nous la racheter pour 11 350 gottes. Donc ça fait qu'on a quand même pas mal d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter? Est-ce que ça va réellement nous améliorer? C'est ça la question. Donc au niveau des armes. Parce que là, il nous montre pas vraiment si ça va augmenter beaucoup notre attaque ou pas. Parce que là par exemple, dans les épées à deux mains, la plus puissante par exemple, ça va être celle-là. Après, au niveau des haches, on a la hache de bûcheron, mais on a la hache de guerre. Les hastes. Au niveau des arcs, après au niveau des armures, là il y a des trucs sympas qui augmentent l'attaque et la défense. Au niveau des objets, j'en ai déjà trop. Ça, c'est intéressant. Il
Et les parchemins qui permettent d'apprendre des sorts, ça peut être aussi utile, je pense. Tempête de flamme, boule de feu. Tornade, voilà, je pense que c'est pas mal. Oh, on peut recruter des personnages là. Très intéressant. Ok. Ah non, attendez, j'avais pas fini. Je n'avais pas fini, messieurs dames. Donc par exemple là, équipement. Lui, il est à l'épée courte. Lui, ok, ok. Et voilà. Là, ça devient intéressant. L'arc. Ça baisse énormément un truc, mais ça augmente beaucoup à l'arc, donc bah, pourquoi pas. Toi, t'es au bâton, bâton. Toi, t'es à la lance. Voilà. Toi, t'es à la hache. Ok, donc si par exemple, je voulais, moi, je sais pas. Hop. Ok. Intéressant, intéressant, intéressant. Et voilà. Bon voilà, on les a un petit peu équipés, c'est pas mal. Maintenant, les manœuvres, comment ça fonctionne? Gagner un guerrier unique Valkyrie dans l'équipe. Alors la question c'est, le maximum est à 8, donc ça veut dire que je peux rajouter une personne. Donc on a toutes ces personnes là, on a Donalto, Sarah, Voltar, Léonard qui est invité du coup que je ne peux pas utiliser. Donc moi je pense que je vais prendre lui. Voilà, je pense que c'est pas mal, on va commencer notre bataille et voir un petit peu comment fonctionnent les manœuvres. Donc les manœuvres, je rappelle, c'est des combats d'entraînement qui permettent de gagner de l'expérience, mais par contre... On ne peut pas perdre nos unités s'ils venaient à mourir. Donc aujourd'hui l'épisode sera peut-être un petit peu plus long parce que je pense qu'on va faire cette petite manœuvre. Mais je pense aussi qu'on va faire une petite map de l'histoire. Donc du coup ce sera un épisode un petit peu plus long, mais je pense que ça devrait vous faire plaisir. Donc évidemment, comme d'habitude, je vous invite à liker hein, la vidéo, vous abonner, pardon. Et évidemment, les petits commentaires qui font plaisir, vous le savez, j'essaye toujours de vous répondre. Ça me fait super plaisir de les lire. Souvent, vous me donnez des conseils qui me sont utiles par la suite, donc surtout, n'hésitez pas. Aïe. On va bientôt pouvoir attaquer là.
Ouais, c'était assez prévisible que je me fasse attaquer le premier, ça, il n'y a pas de doute. Ok, alors, toi, je vais te mettre par ici. Nickel. Ensuite, toi, ben, malheureusement, t'as pas le choix, tu vas là. Et toi, ici. La boucle est bouclée, tout le monde a avancé. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux ennemis. C'est parti. Alors, toi, t'es un soigneur. Ben non, du coup, tu viens pas là. Oh non, pourquoi ça a fait ça? Non. Ah, purée, je suis abruti. J'avais pas vu que c'était encore lui. Un petit coup d'épée courte. Petit coup d'épée, enfin plutôt de hache. Allez. Là, forcément, il va y avoir des duels qui vont s'enchaîner. Alors là, on a un petit guerrier là qui veut faire le malin. Voilà, nickel. Ensuite, voilà, un petit coup critique supplémentaire. Un petit coup de marteau, on y va. Magnifique. Un petit soin là, sur un de nos alliés. Nickel. Et ben voilà, nickel. Parfait. Alors, un petit déplacement, ce sera utile. Magnifique. Et on se calme là. Ok, c'est bien. Là, t'as attaqué. Alors là, lui, ben, je pense que je vais le faire attaquer, hein. Ouais, nickel. Ok, ça en fait déjà un qui est presque mort. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ils vont forcément attaquer les plus faibles. Magnifique. Elle est bonne leur strat, elle est bonne. Allez, on va se mettre là. Aïe. Super, on va pouvoir se soigner.
Parfait. Joli. Bientôt mort. Ah ouais, d'accord. Là, ça y est, forcément, je vais subir des attaques. Allez, tiens, mange-toi ça. C'est un peu le bordel, là, au milieu. Nickel. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Allez, un de moins. Ah mince. Ça, c'est pas cool. Bon, après, heureusement, comme je vous l'ai dit, les unités ne meurent pas dans cette version du jeu. Bah oui, je pense qu'on va attaquer lui. Voilà, je pense que c'était plus qu'utile. Allez, tiens, ça c'est fait. Voilà, ça en fera une de moins. Ensuite, le magicien, c'est bon aussi. Bien, tu t'es mis juste à côté de moi. C'est pour prendre ta douille, j'imagine. Bon, ça c'était à prévoir. Ils voulaient tous s'acharner contre celui-là, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Hein. Oh non! Ah, ça va, j'ai eu la chance. En le prenant en sandwich, ça a fait l'effet voulu. Ouais, je m'en doutais un peu. Je me suis dit on va le tenter, mais j'y croyais pas beaucoup. Allez, ça c'est fait. Super. Allez, bah un petit one shot là, ça fait plaisir. Oh, elle est pas loin de mourir. C'est à elle de jouer. Ah bah parfait, tu viens à ma disposition. C'est pas beau ça? Et bien voilà, je crois qu'on a gagné.
Magnifique. Du coup, j'ai gagné 210 XP bonus. Ah ouais, quand même. 2300 points d'XP. Bah écoutez, ça fait plaisir. Bon, mais maintenant qu'on a fait cette petite manœuvre, on va se diriger vers l'objectif. Donc au final, on peut laisser cet objectif-là de côté, visiblement, la forteresse, et je pense qu'on va la laisser parce que je pense pas du tout avoir le niveau pour la faire. On va plutôt se diriger vers les plaines de Golborza. Donc là, il faut vaincre le chef des ennemis, gagner avec un archer ou archère dans l'équipe et un chevalier. Bien écoutez, nous sommes prêts à y aller. On va voir un petit peu ce qui nous attend dans ce combat. こんな手じゃ勝てやしない。バケロ。てめえにはガルガスタン人としての誇り積もんがねえのか。そんなこと言ったって圧倒的に不利じゃないですか。アルモリ箇条を奪われたぐらいで臆病風に吹かれやがって。 Ouais, bon, vous êtes visiblement en gros sous-effectif. Hein. Même si vous êtes nombreux un peu de partout, on va pas se mentir. Donc le but c'est de vaincre le chef, hein, on est d'accord. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se déplacer de manière à atteindre le chef tout simplement. Et les ennemis qui me rejoindront sur le cours de route, ben, je les anéantirai tout simplement. Je pense que c'est la meilleure tactique à faire. Ok. Alors. Le problème c'est que les maps elles sont un petit peu trop grandes. Alors vous pouvez désormais utiliser le menu IA. Il vous permet de confier le contrôle individuel de vos unités à l'intelligence artificielle pendant les batailles. Pour reprendre le contrôle d'unité, il vous suffit de rouvrir le menu IA et de sélectionner l'option manuel. Alors je vais peut-être le faire ça sur les unités. Sur les unités de soins, ça peut être utile. Ok, très bien, alors. Là, comme ceci. Ah ouais, lui il part tout seul de l'autre côté. Au calme. Magnifique. Qu'est-ce que...
Ok. On va tester un petit peu le mode IA, voir comment ça fonctionne. Comme ça, j'aurai pas à gérer toutes les unités. Et ce sera un gain de temps, je pense, sur les combats. Et comme moi, j'ai du mal avec souvent les archers et les unités faibles, ce sera plus simple de les gérer comme ça, je trouve. Ok. C'est parti, première attaque. Ah ouais, ils ont l'air forts quand même. Alors, ça sert à rien, ça, sérieux. Magnifique. Ah ben voilà. C'est ça qu'on veut. Ça lui a fait que dalle en dégâts. Oula. Ok, on va aller se placer là. Les gars, il va falloir faire gaffe. Moins 82. Ça c'était propre. On va essayer d'éliminer celle-là. C'est gagné. Joli dégâts lui quand même. Magnifique. Moi je pense que tout va bien se passer parce que j'ai mis les bonnes personnes où il fallait. Et il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. C'est bien ça, c'est bien.
Ouais, on leur fait pas beaucoup de dégâts quand même. Joli. Ce serait bien de s'occuper du magicien d'ailleurs. Alors. Putain, mais on fait que dalle en dégâts, c'est abusé. Ouh, ça c'était beau ça. Oh, ça c'était magnifique. Ouais, bon, forcément. Petit soin. Parfait, c'est ce qu'il fallait. Nickel, parfait. C'est ça qu'on aime, des soigneurs qui soignent. Pas comme dans Star Ocean d'ailleurs. Ok, bien joué, bien joué. Super, vous gérez les gars, vous gérez. Alors. Voilà, première attaque sur le boss. Ce serait bien que mon archer tue la personne qui a la faible barre de vie là. Mais bon, remarque. On n'est pas à ça près. Voilà, c'est fait. Elle s'acharne sur mon magicien, elle. Oh, c'était propre, ça. Oh, comment t'as géré, mon gars. Petite attaque, là, voilà. Comme ça. Ensuite. C'est bien. Très très bien. Bravo, là c'est parfait. Petits soins sur mes persos à moi, nickel. D'accord, ok. Ensuite, petite attaque là, bien placée. Magnifique. Ok, c'est à leur magicien. Après, ce sera un de mes soldats. Raté. Là, c'est à lui, mais il est en auto puisque c'est un invité. Ok.
Ou pas beaucoup les dégâts là. Là c'était propre. Ok. Mince, ah c'est pas cool ça. Oh ce que ça lui a mis, joli. Bon, je peux jouer. Petit coup de hache. Oh, le petit coup critique. Et j'ai réussi les deux objectifs additionnels, visiblement. Et j'ai eu aucune mort, hein, quand même. Je préfère le préciser. Bah, écoutez, ça fait plaisir. Ah ouais, quand même, 2400 points d'XP, c'est pas mal. Ben voilà, écoutez. Ils sont tous augmentés du niveau. Ben c'est parfait tout ça. Ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, évidemment, on avancera un petit peu plus vers l'archéopole de Rime. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le maximum de pouces bleus et vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.